Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour un nouvel épisode de l'histoire des Dégalientis. De On est à l'épisode 14, comme vous avez pu le voir, Bertie s'est fait une nouvelle tenue et ils vont sortir puisque c'est le week-end. Et mes amis, l'heure est grave Lady est très triste parce que, et je cite, « Je suis triste parce que je suis triste, tu ne peux pas comprendre, personne ne peut me comprendre !» Oh non, mais sérieux Avec le pack euh, être parent, il y a... Euh, enfin, nos ados ont des crises d'humeur. Donc, je sens que ça va être génial. Je trépigne d'impatience pour mes, pour faire mes 35 princesses. Lol euh, Donc, du coup, elles vont sortir. En, entre filles, j'avais dit euh, à l'épisode dernier que j'irai avec les mecs, mais je m'étais pas rappelé qu'on avait été déjà avec les mecs, donc euh, bon, sinon ils vont tous sortir ensemble comme ça, euh, voilà. Donc ils vont sortir ensemble, <coughs> les garçons, les filles, etc. Et on va essayer, enfin on va surtout espérer de tomber sur Iris, parce que vous voulez que du coup Bertie euh, la retrouve, enfin que Iris retrouve Bertie, plutôt. On, donc on espère tomber sur Iris et ce serait vraiment bien de tomber sur Olympe aussi. Hein, pour faire avancer un petit peu l'intrigue. Alors on va y aller. On y va avec les... Non, bah non pas avec Iris. Euh, sinon, euh, c'est pas drôle. Sauf si on veut forcer le destin. Mais... <laughs> on va déjà voir si elle y est. Et à la limite, si elle y est pas, on l'appellera. Mais on fera comme si elle était venue toute seule. Hein. Euh, bon, voilà. On peut pas trop faire autrement. Du coup on est dans un nouveau lieu que je voulais vous présenter. Ecstasy, je vois pas mon écran. Allez, du balai, merci. Euh, Maria est pas là, mais je vais l'appeler tout de suite. On peut pas l'amener ici? Pourquoi on peut pas l'amener? Mais c'est nul. Mais ecstasy pousse-toi. Mais, mais Mais Maria Bon alors tant pis. C'est euh, un lieu qui a été fait par Carlotta Sims. Et que j'ai refait, du coup elle avait fait une petite église, euh, maison avec un petit cimetière, donc j'ai agrandi le cimetière. Je sais plus si je vous ai présenté le lieu, j'ai un vieux trou là. Là il y a une grotte secrète. Ouh là là. Euh... Donc euh, le cimetière, vous pouvez le retrouver dans la galerie je crois, ce lieu. Donc c'est Carlotta Sims qui l'a fait, moi je l'ai un petit peu modifié mais pas trop. Donc ici on a une église, genre euh, tout va bien, à faire des mariages, tout ça. Ouais, mon cul, ouais. <laughs> Là, on a tout ce qui est côté crypte. Donc, euh, des cercueils, des, des emplacements pour les urnes et le rituel satanique. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré. Hein. Et franchement, je ne sais plus ce que je fais. Ça me déprime. Et enfin, tout en bas, la boîte de nuit. C'est qui ça C'est qui Bonjour, monsieur. Putain, on dirait Nicolas. C'est bizarre. Bon. Alors, allez ici. Allez ici, allez tous ici. Bah attends, euh, allez ici ensemble. Voilà, donc Bertie, je t'ai mise en beauté. Si vous pouvez vous manier avant de cramer, ce serait pas mal. Mais ils sont cons, hein Qu'est-ce qu'elle fait Oh là là, dépêche-toi Bon, il y a les gars, ça c'est cool. J'espère vraiment qu'on va tomber sur Iris. Vraiment, vraiment, faut qu'elle vienne. Parce que c'est quand même le week-end, c'est un endroit pour la fête. Bon, il est 16h. C'est un détail, il est 16h. On va danser ensemble et à la limite, on va... Euh... On va... Ah oui, alors on ne voit pas, c'est cool. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ici peut-être. Voilà. Donc là, je ne vois plus la caméra. Vous voyez encore. On va inviter les filles comme ça. On va commencer la réunion des filles. Comme ça, Maria va venir, cette grognasse. Voilà, viens ici, Maria. Patate. Mais vas-y, elle est buggée. Ah voilà. Si on met fin normalement, elle doit rester. Bon bah voilà, bah alors tu vas danser aussi. Ça a Voilà, merci. Danse. Voilà, donc, tout le monde danse. C'est parfait. Grosse ambiance. Donc je vous montre un petit peu la boîte, mais je crois que vous l'avez déjà montré. Mais je sais plus ce que je fais franchement. J'en ai marre de moi. C'est qui ça Ah, ça c'est euh, c'est des vampires adultes. Donc on va éviter. C'est censé être un lieu apprécié par les jeunes. Là, il y a un endroit VIP. Côté VIP. Hein. Est-ce qu'on peut voir le nom des gens Merci. Lisa Tibonia. Et ben, vous savez quoi Ça va être le moment de faire des rencontres. Voilà. Donc elle, je sais que c'est une simset euh, de, de quelqu'un. Je sais plus si c'est un vampire par contre ou... Ah bah apparemment on lui a déjà parlé. Pff. Ok, d'accord. Je <laughs> comprends pas trop. Et ça c'est qui Romain. Ah lui c'est un extraterrestre Je le sais Oui Eh bah on va être sympa avec tout le monde hein, parce que Bertie elle est cool. Euh, ça par contre c'est un adulte je crois. T'as rien à faire ici Etaniel, Merci. Et ça c'est des PNJ de merde <laughs> Ça me saoule, j'aimerais bien qu'ils se cassent les PNJ là. Ah, Lady vient de devenir une bonne amie de Bertie. Super. Super, ça c'est cool. Bon, on va être sympa avec Gabriel. Allez. Ça bug. <laughs> c'est génial. On adore se renseigner sur la carrière, même si on le sait déjà. Attends, on est super proche de Mike. La vache, regardez ça. Ça, ça s'affiche plus, évidemment. Oh! Est-ce que je suis en train de filmer Oui, c'est bon. Ça bug. On est super proche d'Edouard aussi Ouh, Edouard <laughs> euh, Ce serait vraiment cool. C'est qui Lisa, ok. Donc, euh, bah, c'est cool. On va être sympa avec Lisa. Mais c'est qui tous ces gus là Bon, je reviens, je vais enlever les PNJ de, de mon jeu. Euh, est-ce que vous voulez rire en fait Alors, j'étais supprimé les PNJ de mon jeu. Ensuite, je me suis dit, je vais un petit peu forcer le destin. Je vais aller dans la famille d'Olympe et ramener Olympe ici. Quand je suis arrivée, il y avait re des PNJ. Et en plus, il n'y avait plus mes Sims. Donc, je suis retournée chercher les Sims. Et évidemment, il n'y a plus Olympe. Youpi C'est génial Merci <laughs> Du coup j'ai ramené Iris, hein. je peux pas faire autrement Olympe, ils ne le connaissent pas Donc il faudrait limite qu'on aille chez lui le rencontrer Je trouve ça un peu débile Ça me saoule le jeu, tu me saoules <laughs> Attendez, là je suis avec Maria, ça va pas très bien Non mais non, mais euh, regardez-moi tous ces PNJ là On s'en bat les couilles Oh, pas... oh mon dieu <laughs> euh, Lola Ah bon Mais c'est un PNJ Lola, c'est qui bonjour j'en sais rien. En tous les cas, il euh, y a Iris. Alors, euh, alors, on va aller voir Iris. Voilà. Donc, Bertie ne se rend pas compte tout de suite qu'il y a Iris. Et euh, finalement, comme elle dit un peu bonjour à tout le monde dans la boîte, on va engager un mix, un DJ vedette. Voilà. Pff, on s'en fout, on a de l'argent. Euh, il a intérêt de venir, par contre. Donc, euh... oh mon dieu Mais c'est Iris Je vous, vous connais, non Hein elle est trop chou, elle est trop trop chou. Euh... <laughs> ça me saoule. Du coup, euh, enfin le enfin, jeu me saoule, je veux dire, hein, pas euh, pas Iris. Donc du coup, euh... Oh, mon dieu, mais je te connais toi. Ah oh, perdu ça fait des années que je te recherche. Ça fait sept ans. Comment vas-tu Oui, très bien. Et toi <laughs> Donc du coup, euh, ce serait cool que les autres soient un peu jalouses, mais bon, euh, tant pis. Euh, elles sont en mode euh, Bertie. Euh, allô, Bertie, tu sens pas son odeur d'humain là euh, Chuchotait à propos du béguin. Bertie, a un béguin. Moi, franchement, j'aimerais bien que Olympe arrive et que euh, Bertie tombe dans, dans le panneau un peu pour, euh, pour faire avancer l'histoire, que <laughs> qu'ils aient un petit coup de cœur tous les deux. Enfin, surtout elle. Euh... <laughs> bon bah c'est génial, je peux pas amener Olympe, je sais pas comment amener Olympe, personne le connaît, alors euh, demandez comment s'est passée la journée. Du coup on va être super sympa avec, euh, avec Iris, Attends c'est notre pote d'enfance, elle était venue chez nous, elle avait risqué sa vie. Oh là là Iris, je suis trop contente de te revoir. Oui, ça fait une éternité, je t'ai cherché partout. Bah du coup attends les autres, elles sont polies, elles vont lui dire bonjour, hein, euh, présentation... Euh... Amicale de la part de Lady. Présentation. Euh, on peut pas présenter avec. Euh, bah, arrête de danser, Lindy. Arrête de danser. Présente-toi. Fais une petite présentation amusante parce que es rigolote. Cristal, euh, Cristal. Une présentation chaleureuse. Voilà. Et puis il euh, y a plus les mecs. Hein. D'ailleurs, faut que je les invite. Euh, toi, Maria. Euh, bah tu vas complimenter sa tenue, voilà. Bienvenue la nouvelle, bienvenue. Elles sont pas méchantes, elles sont très ouvertes, hein. Euh, donc euh... non, on va pas mettre amour quand même. <laughs> Je vais juste inviter les molles, hein. On a besoin des molles. Sinon, on est perdu sans eux. On est perdu sans les garçons. Donc commencer une réunion, donc ils vont se ramener le petit cul, hein. Et euh, on va discuter tranquille avec Iris, nous. Alors conversation profonde. Comment ça va, Iris Est-ce que les garçons peuvent venir ici Euh. Je crois qu'ils sont tous là-haut. Oui. Non. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là, les goujats Ah Si C'était Gabriel, là Il a disparu ou c'est moi What the fuck J'ai pas compris. Bon bah écoutez euh, la boîte euh, c'est pourri l'ambiance hein on est cinq dans la boîte y'a y a même pas de DJ il y a même pas de barman enfin non mais c'est quoi ce bar là sérieux il n'y a pas de mix attends il y a déjà un mixologue bah il est où Putain mais y'a personne c'est la boîte de la dèche quoi ah putain les factures viennent d'arriver bon on s'en fout hein, on est riches euh j'ai 13 ans Non non faut pas que je donne la clé de l'appartement Parce que si maman voit Iris Elle va péter un câble euh, Elle va grave péter un câble Elle va m'obliger à la bouffer alors c'est mort Euh du coup les factures Mais c'est quoi ce chapeau là Pourquoi pourquoi t'as ça sur la tête madame Qu'est ce que c'est Mais pourquoi on dirait qu'elle a un caillou sur la tête What Mais c'est quoi ça j'ai pas compris si quelqu'un a compris, qui m'explique dans les commentaires ce que c'était que ce truc. On dirait un béret, mais en trop grand, tu sais. Ça se passe comment là <laughs> Ah, Iris, ah. je suis contente. Oui. Alors, voyez voir la relation qu'elle a avec les autres, Bertie. Elle est super proche de Cristal. Bon. Ah, bah, Maria, c'est bon. Ça a remonté. Donc, euh, ça va. Ça va, en fait. Euh, Lady elle est vachement proche aussi Et Lindy aussi Ouais donc en fait il y a que Maria qui, est... Pff, qui a eu un petit couac On n'a pas trop compris pourquoi mais c'est pas grave Donc du coup on va essayer de se rapprocher à mort de, euh... de Iris Parce qu'on est trop content de la retrouver Oh mais pleure pas poulette Attends on va, on va faire des grimaces à... On va essayer de réconforter Lady 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 Oscar, il euh, n'y a pas à réconforter. Ah, voilà. Essayez de réconforter parce que pauvre babouin, elle est toute triste. Oh, Pichoun. Alors, fais une petite blague à la limite. Est-ce que ça va à leurs besoins Ouais, ça va. On est tranquille. Est-ce que tu peux la réconforter du coup Oui, c'est bien. C'est trop mignon. Regardez-les. Oh, les babouins! <laughs> voilà, empathie. Ah oui, du coup, il y a ça. Alors, euh, je sais pas ce qu'on va en faire. Très franchement, manière, ça va. Ça va, tranquille. L'idéal, ce serait qu'elle soit dans le verre Mais bon. Euh, pff. Franchement, je vais pas trop m'en occuper. Ce sera pas la priorité de ce challenge. Je pense qu'on s'en servira plus pour les, les princesses, peut-être. Mais là, euh, là, je sais pas. On verra bien, si elle est dans le vert, tant mieux, sinon tant pis. Eh bah ben, pour le moment, ça va très bien. J'aimerais bien que les garçons viennent, par contre. Ils sont en train de cramer en haut, ou comment ça se passe Les garçons Vous devoir venir <laughs> Non, mais c'est une blague Ils viennent même pas Ah, mais ça a pas commencé la réunion D'accord, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'ils venaient pas. Mais je croyais que j'avais mis... Ça, mais quoi Mais, mais j'ai rien compris. Bah si, regardez. Le groupe a commencé. Bon bah je sais pas. Au pire, on va les inviter, hein. Euh, voilà, que je, te, que je te le dise. Allez, venez. Ah, mais vous avez vu Ils sont arrivés, ils sont repartis. Mais c'est quoi ce bug Mais c'est qui ça Mais what Mais pourquoi ça bug comme ça C'est quoi l'histoire c'est peut-être parce qu'elle est déjà en bande, j'en sais rien. J'ai pas compris. Euh... Bah, ils viennent ou pas? Bon bah les garçons ne viennent pas. C'est génial. Et si on fait dissoudre la bande? Alors attendez. Eh, c'est quoi ce nouveau bug là? Le nouveau bug. On dissout la bande et on commence la réunion. C'est peut-être ça, hein, on sait pas. Hein. Bah alors Mais bah les mecs Mais ils sont où ces cons Oh, il y a le marché des épices, attendez Bon bah tant pis, hein. je suis désolée, mais euh, ça marche pas, alors euh, on va pas y passer euh, trois plombes, on va remettre la bande. Voilà, on se retrouve donc au festival des épices et à la limite, on va tenter le défi. Euh, du curry épicé ensemble Il y a mon chat qui miaule, c'est génial Bibou Viens J'ai rien pour faire froufrouffer l'Ancia Bibou Qu'est-ce qu'il fait Il est complètement con ce chat Bon, t'as le... Ah Elle est en train de se brûler Faux virus Maria, ça a l'air d'aller, non C'est chaud, hein Elle est où D'accord, ce magnifique bug What the fuck Le festival, il s'est pas bien mis, mais... What euh, Elles sont en train de se brûler ou pas, les filles Alors, apparemment, Lindy n'a pas l'habitude de manger épicé. Crystal Tolman a échoué. Ok, Maria a échoué. Lindy a échoué. Ah, mais Bertie, elle en a encore. Et Lady aussi, hein. Lady vient d'échouer. Bon, bah, j'ai rien dit. Et Bertie Alors Elle a tout mangé Attendez Elle a tout mangé Non Énorme Mais Viens là, reprends une portion Tentez le défi Vas-y Bah vas-y Le tort du cul là a <laughs> ce serait vraiment bien qu'on croise, euh, qu croise le petit là hein. Bah écoutez, pour la fin de l'épisode, je vais aller euh, le chercher et je vais jouer avec lui. Mais là, je regarde déjà si elle va arriver à... Non Elle a perdu. Dommage Je vais essayer de venir ici avec... Euh, comment il s'appelle Avec euh, Olympe. Et nous revoilà donc avec Olympe qui est dans la boîte et il y a les filles. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'étais obligée d'aller... Euh... <laughs> d'aller les rencontrer, leur dire salut, on se rencontre machin, donc euh, présentation pour pouvoir aller tous ensemble en boîte, donc c'est pas grave pour le replay, on dit qu'il arrive et du coup euh, donc Bertie changé entre deux, hein. Pff, logique tiens tiens elle est enceinte elle, ah bon depuis quand on me l'avait envoyée enceinte, oh j'espère que c'est pas le même C commandeur qui a fait de la merde j'ai un gros doute. Euh, celui qui a créé Milandra Tribal veut bien me dire s'il avait fait enceinte parce que là j'ai un gros coup de stress là euh, que mon jeu fasse pas n'importe quoi s'il vous plaît. Oh mon dieu. Bon bah d'accord. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Bertie et on va être très gentil avec elle. Bonjour mademoiselle puis je vous offrir un verre. Ah. Ah oh bah c'est gentil, merci. Voilà, Bertie est très naïve. Bertie euh, croit tout ce qu'on lui dit. <laughs> On va vous faire une petite blagounette, madame. Vous êtes vraiment très en beauté. Je suis arrivée dans la boîte et je n'ai vu que vous. Ah, vil flatteur. Aïe! On va se renseigner sur sa carrière, on va faire comme si euh, on ne savait pas. Et vous allez voter, hein Parce que... Donc vous allez me dire si Bertie va tomber dans le panneau et va succomber au charme de Olympe ou pas. Moi j'aimerais vraiment qu'elle... Quelle succombe, ça mettrait un peu de piment, sinon c'est pas drôle. <laughs> Partager des photos, tout ça, tout ça. Et puis bon, peut-être que Olympe a un bon fond au final, on sait pas, hein. Être obsédé par son groupe préféré. Tu connais les One Direction? Et Justin Bieber! Je sais même pas, je crois qu'il y a un nouveau groupe en ce moment qui a la mode, mais je suis tellement pas les groupes. Tu connais euh... Non, je vais pas dire le, le nom parce que sinon Elancia va me tuer. Parce que je sais pas parler anglais. Forty, euh, euh, tout raison, tout mars, je sais plus quoi. Ah. Tu connais le groupe de Jared? Ah ouais, c'est trop bien. J'adore Jared. Regardez ta page Facebook avant de venir, alors je sais tout de toi! Oh là là, quelle coïncidence! Oh! Et du coup, peut-être que dans le prochain épisode, on pourra commencer. Quoi? Essayer de faire un bébé. Ah oui, c'est vrai, les ados peuvent être enceintes euh, avec mon MC Commander. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est enceinte! J'espère pas, hein. j'espère vraiment que. Que celui qui me l'a envoyé l'avait mise enceinte. Oh, mais j'ai le doute. Mais c'est quoi C'est qui C'est une jeune adulte. Ok. Bon, bah, on verra. Hein. <laughs> J'espère vraiment que la personne qui me l'a envoyé regarde encore le Let's Play. Sinon, je ne saurais jamais. Non, bon bah, on va éviter de faire un bébé. Hein. Ils savent les risques que c'est de faire un enfant. Les vampires, ils ne sont pas cons. Du coup, bah, voilà. On va être sympa. Ah, je crois que ça a buggé. Non, mais là, parce que Lindy squatte. Lindy squatte la conversation. Est-ce qu'on peut aller euh, dans le salon VIP Est-ce qu'on peut enlever surtout Lindy et euh, compagnie du, euh, de, de, de la bande en soi euh, Voilà, dissoudre la bande comme ça, elles s'en vont. Et nous, on reste avec, euh, avec Bertie. Limite un rancard tu vois. Et moi, je veux juste parler à Bertie. Mais c'est chiant. Mais casse-toi, Lindy. On veut pas de toi. T'es belle, mais on veut pas de toi. Bon, on va faire genre, on va faire genre que parle à Lindy aussi, comme ça, ça passe pas trop grillé. Euh, le mec qui drague Bertie directement, chuchoter à propos du béguin. Voilà, on s'en fout. Euh, on raconte notre life un peu aux deux. Euh, je crois que les autres sont partis. De toute façon, Crystal, elle s'est dit non, mais c'est bon. Mais moi, j'ai déjà un mec. Je me casse. Les gros lourds en boîte, ça va quoi. Hein. <rire> <rire> Lady, je sais pas ce qu'elle fout. À elle vos toilettes, d'accord. Et, euh, et Maria, je ne sais pas du tout où elle est, Maria. <laughs> enfin bon. Du coup, vous votez comme d'habitude sur le petit en haut là, tout en haut. Oui, plus haut que plus haut que, que, que moi. <laughs> haut oh, du, du, du truc. Ah non mais du coup faut pas parler que à Ali, que Lindy là. Oh. Mais reviens Bertie. Bertie. Bah sont toute réunion tu peux voir au chiottes D'accord donc elle se tape, euh, la discute aux toilettes. Tu sais moi je sens pas trop ce mec Bertille. Monsieur, il a l'air trop cool. Ouais je sais pas. En plus c'est un vampire. Tu devrais demander à ta mère. Ouais ouais, je sais pas. Ma mère, tu sais, elle est un peu chiante. Alors, euh, moi je l'aime bien le gars. Je suis assez jolie, mais oui, t'es jolie. <laughs> T'as le délire. Bon, bah sur ce. Euh, pendant que Lindy tient la grappe à, à Olympe, euh, je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'oubliez pas de voter. Tiens, c'est rigolo quand je fais ça, j'ai mon gras qui qui flop flop. Il serait peut-être temps que je me muscle. <laughs> Tant pis, voilà, donc euh, au revoir. <laughs> Allez, je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut